Déclaration politique numéro 002, bar Kinshasa, bar MDECO, quartier général. Concerne la désignation des animateurs de la CENI. Le mouvement des démocrates congolais, MDECO en sigle, notre parti et son autorité morale, M. Gabriel Mokia Mandembou, président national, félicitons le président de la République, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son courage et sa détermination d'avoir signé l'ordonnance de l'investiture des animateurs de la CENI, avec à sa tête M. Denis Kadima Kazadi, comme président de cette structure d'appui à la démocratie. Cet organe ouvre désormais la voie aux élections crédibles et transparentes dans notre pays. Le MDECO, mouvement politique de masse, s'est dit prêt pour aller aux élections en 2023 et gagner plus de députés nationaux, provinciaux et sénateurs avec sérénité. Nous félicitons par cette même occasion le président de l'Assemblée nationale, Honorable Christophe Mboso Nkodiampwang, pour sa ferme détermination d'avoir ouvert la voie des négociations entre les confessions religieuses qui ont abouti à la désignation de M. Denis Kadima comme seul candidat retenu, et sa désignation vient d'être entérinée par le bureau d'Assemblée nationale et revêtue par les sceaux du président de la République. Sur ce, nous, jeunes du MDECO, invitons tous nos compatriotes à apporter leur soutien moral et politique au nouveau bureau de la CENI et d'éviter toute instrumentalisation de certaines confessions religieuses contre les pouvoirs en place, avec l'intention diabolique de plonger le pays dans la confusion. Nous, les jeunes leaders de MDECO, soutenons Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui promettons loyauté et fidélité dans son action pour l'intérêt supérieur de la nation. Le MDECO s'insurge aussi contre la criminalisation de la justice dans notre pays par la violation de l'article 151 de la Constitution, dont certains individus, profitant de leur positionnement politique, refusant d'exécuter les décisions rendues par les juridictions judiciaires pour mettre à mal l'état des droits. Que Dieu bénisse le mouvement des démocrates congolais, que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Junior Lumu, secrétaire fédéral MDECO Tshangu. Merci.